Le cas d'Uber, d'Airbnb ou d'eBay ont cristallisé toutes les attentions des médias car ils résument assez bien les risques des plateformes de pair-à-pair marchands. Ces plateformes sont notamment accusées par les acteurs traditionnels du transport, de l'hôtellerie ou de la brocante de ne pas respecter les lois et réglementations avec des pratiques frauduleuses.